Et ce qui serait bien, en gros, c'est que je clean d'abord les cultistes. Ou je prenne une protection physique dans mon dos pour pas me faire surprendre vu qu'ils font pas de bruit. Oh merde, je vois rien avec sa lampe. Bah, je vais mourir. On y voit comme à travers une pelle, non? Je suis votre éternel abonné. Déjà, c'est qui ce mec? Ah, c'est un fake PMC! Putain, fait chier! Dans sa chimie, grenade? Quel jeu, les amis, quel jeu. Ça a failli me tuer, cette connerie, hein. Je me suis dit, vas-y, recharge, il a fermé la porte, c'est safe. Ah, tu parles. Le machin est littéralement passé au travers. Hein. Virk, 38ème, et j'ai loupé Manzer. Merci les mecs. Là, on n'y voit clairement pas grand chose. En fait, il y a quelques temps, je sais plus quand exactement, mais il me semble qu'ils ont retravaillé le rendu de la nuit sur Tarkov. Et pour le coup, c'est vrai que c'est très sombre. Quand tu joues pas avec tes paramétrages Nvidia, c'est un peu compliqué. Gauche ce coup-ci, pour l'instant j'ai pas de pattern. Je suis
suis votre éternel abonné. Pas de 69 années érotiques, mais plutôt 69 mois érotiques. Des bisous, boss. C'est pas clair ce que j'ai vu là. J'ai arrêté de tirer tellement je me suis dit il y a assez, tu parles, il me tire encore dessus. Ouais, y a un truc qui m'emmerde ici comparé à l'autre côté, c'est y a trop de bush en fait. C'est un basique de merde qui me met ça quoi. J'ai plus de balles. Non, non, il y a l'autre enculé. Mon arme s'est enrayée. C'est un vieux scav basique en plus. Mais le sort s'acharne là. C'est quoi ce merdier? Ça m'intéresse.
Ok, alors les goons, ça c'est fait. Kila, Tagila. Il en manque encore une chier. Des bisous. Je sais pas si je peux looter en détente. Parce que les cultistes c'est du 100% et je les entendrai pas rush quoi. On voit bien l'intérieur par contre avec celle-ci. On met une grotte sécu pour voir si ça réagit. Alors je me suis fait niquer, il y en a un qui attendait dans une pièce. Garde. Deuxième de sécu. Pas de réaction. Si c'est dans une pièce AFK, je vais dehors.
Fais chier. J'ai niqué beaucoup de grenades pour prendre l'info là. S'il n'y avait pas de... Ok. J'allais dire, s'il n'y avait pas de bush dehors, ce serait tellement plus simple. Et j'ai toujours aucune idée de où il peut y avoir les cultistes, quoi. De l'autre côté, sûrement, du coup. On va lui prendre ses chargeurs, à lui. Je sais pas si les cultistes sont 100% au spa. Apparemment ils sont 100% là pendant l'event de nuit. Le spa, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en temps normal ils ont quoi? Ils ont spa, ils ont marais. Et je sais plus. C'est déjà là ça? Genre je l'ai pas. Ouais, mon cul. Il a tanké une balle nuque, ce con. Volonté, Gluar, cultiste, sanitaire. Donc il reste quand même des clients. J'ai 19 minutes. D'ailleurs, je te dis ça, mais maintenant avec laquelle je peux savoir, non? Gluar, sanitaire, Taguila, Caban, Colonté. Ah ouais, j'ai oublié Caban aussi. Attends, Taguila, je l'ai pas tué? Et le mec dehors là-bas, c'était bien Taguila? Il s'est tué avec la grenade, du coup ça compte pas pour moi. Ah d'accord. Eh oui, parce que je crois qu'il se... il essaie de jeter une greue à FK et elle pète. Ouais.
Caban aussi, non, Caban je l'ai pas tué. Encore. C'est cultiste. Alors le problème qu'on a, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas joué de lance-grenade. En gros, je suis pas sûr de pas me faire péter avec là. Ah, réfléchis. Elle a pété un tout petit peu au-dessus. Faut que je vise un peu en dessous. Sanitaire, c'était pas les cultistes? Tant pour moi. Just fucking die already! Yes, give up! Si proche. Il faut pas que j'attaque par là, je vais mourir, je pense. Il y a un monde où je peux pas non plus. Ah, je sais toujours pas où sont les cultistes. Hein. Ah 1v1. Il a ressorti son arme, ce fils de pute! Mais c'est normal ça! Donc lui, il te tire dessus avec une arme et toi, tu l'as dans le cul! C'est encore un bug ça! À cause du mur, il a ressorti son arme! Ça fait comme Zriachi. Zriachi, par moment, à l'époque, sur l'ancien event, il y a 2 ans, il ressortait son RSAS et du coup, il te flinguait. Et des fois, il gardait le couteau en main. Bon alors attends. Lui je sais que je l'ai emmené chill au 2e étage du coup. Comment ça, je meurs aussi? Bon, c'était peut-être un peu taquin. Et en moins, on sait qu'effectivement, a priori, au lance-grenade, il n'y a pas d'enraillement ce coup-ci.